today. There's no ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Pour le plaisir. Coopérez pour résoudre l'affaire et faites avancer l'intrigue comme vous le souhaitez. Connaissez-vous bien vos amis? Choisissez bien, car ils vont devoir prendre des décisions de vie ou de mort. Qui, selon vous, gère le mieux la pression? Faites défiler les cartes vers la droite ou vers la gauche. Faites glisser celle de votre choix vers le haut. Un nom est ressorti du lot. Du 535 Miqueur, 10-31, possibilité de prise d'otage. Prudence extrême avisée. Le portrait du suspect correspond au piégeur. On y va, t'es prête? Bien sûr que je suis prête. On y va doucement, comme dans le manuel. Qu'est-ce qu'on fait? Votez pour un choix en plaçant votre pointeur dans la case. Vous devez atteindre une majorité pour avancer dans la partie. Jouez une carte prise de contrôle pour écarter vos amis et leur imposer votre choix. Vous commencez avec une seule carte. Vous pourrez en gagner d'autres en réalisant des recherches et des événements rapides. Dans ce choix, vous utilisez gratuitement votre prise de contrôle. Pourquoi ne pas essayer? Touchez le bouton « Prise de contrôle » lors d'un choix pour vous imposer. Ça me plaît pas trop. On jette un œil. sépare. Je prends la porte de derrière. Je m'occupe des fenêtres. On reste discret. Je te retrouve dedans. Touchez la cible avec votre pointeur avant la fin du temps imparti. Le premier qui touche la cible gagne une prise de contrôle. Touchez la cible avec le pointeur avant la fin du temps imparti. Réfléchissez avant de tirer. Vous n'avez pas besoin de faire feu. Les mains derrière la tête, pas de geste brusque. Je vais tirer. Tirez pas! Hé! Joue pas ça, enflure! Je vais pas lui faire de mal! Pitié, aidez-moi! Sortez-moi d'ici! Main en l'air! Main en l'air, je ne le répéterai pas! Oh mon Dieu! Bon, seule la personne qui gère le mieux la pression peut faire ce choix. Ça vaut pas le coup. C'est fini. La traque du piégeur est arrivée à un terme tragique ce soir, quand des agents de la 3e circonscription ont arrêté le principal suspect, Jonathan Finn. Finn est l'auteur présumé d'une série de meurtres atroces qui ont frappé la ville et coûté la vie aux policiers qui se rendaient sur les lieux. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Mesdames et messieurs, l'accusé, Jonathan Finn, est coupable. Là n'est pas la question. Votre rôle est de déterminer la sentence appropriée. Cet homme, qu'on surnomme le piégeur, a semé la terreur dans notre communauté de par sa folie meurtrière. Il piégeait ses victimes pour que les braves agents dépêchés sur les lieux deviennent à leur tour des victimes. Ces personnes innocentes ont été tuées dans le seul et unique but de satisfaire les pulsions malsaines de Jonathan Finn. Jonathan Finn a finalement avoué chacun de ses crimes jusqu'au dernier. Je demande à la Cour de bien vouloir prendre en compte les aveux de Jonathan Finn. Il a épargné aux familles des victimes un procès long et douloureux et a ainsi démontré une once de remords. Pour cette raison, je préconise que la peine capitale soit épargnée à Jonathan Finn au profit d'une peine de prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Merci. Jonathan Finn, Les crimes que vous avez commis sont d'une telle perversité que cette cour n'a d'autre choix que de vous condamner à mort par injection létale. La séance est levée. Qui, selon vous, fait le plus confiance ? Touchez « Journal » dans l'application pour voir la progression de l'intrigue, les biographies, ainsi que les répercussions majeures qui affectent votre histoire. Salut très chers auditeurs, je suis Ray Weaver et vous écoutez The Grow. On attaque tout de suite la soirée avec notre vilain local favori, Johnny Finn, dit le piégeur. 5 ans que ce pauvre type est dans le couloir de la mort. Monsieur le piégeur quitte la planète bleue dans 48 heures, alors envoyez-lui quelques mots sympas, surtout si vous connaissiez ses victimes. On vous écoute. Premier appel, à vous. Ouais, ce que je veux dire. Moi, mon opinion, c'est que ce salaud mérite pire que ce qui va lui arriver, tu vois. Ok, il a pris cher quand il était môme, mais c'est quand même pas une raison pour s'en prendre à nos gars en uniforme. Ouais, je comprends. Mais c'est pas comme si nos flics étaient irréprochables, vous croyez pas? Prenez Marnet, par exemple. Promu à la criminelle, récompensée, la totale. Cette fille, tout lui réussit. Et devinez quoi? Il se trouve qu'elle a les mains encore plus sales que nous autres des bas-fonds. Preuves qui disparaissent, conduite inappropriée, et Dieu sait quoi d'autre. Merde! Décidément, on ne peut plus se fier à personne. Bonjour tout le monde. On a 2 nouveaux inconnus sur les bras. On accumule les noms rouges sur ce tableau et pour être franc, ce n'est pas avec des affaires non résolues que ce commissariat a forgé sa réputation. Il n'y a qu'à mettre Marnet la magicienne sur le coup. Il paraît qu'elle a un don pour faire disparaître des trucs. Espèce d'enfoiré. Inspecteur Calvary, évitez ce genre de commentaires. Au boulot. Hé, Becky, ignore-le. Calvary. Tout le monde sait qu'il t'a signalé parce que t'es meilleur que lui. C'est cool de voir que mon travail a fini par être reconnu. Est-ce que ça va? Non. Non, pas vraiment. C'est comme si l'univers entier me faisait une blague. Ce connard a mon avenir entre ses mains poisseuses. C'est l'impression que ça donne. Ils ont que dalle. Fais profil bas, reste à distance de Calvary. Ça va se tasser. Ouais, merci. Je vais faire ce que je peux pour suivre tes conseils. Inspecteur Marnet, venez dans mon bureau. Écoutez, Marnet, je ne suis pas censé discuter des enquêtes internes en cours, mais si ça perturbe mon meilleur inspecteur... Désolé, chef. Mais ne vous excusez pas. Vous êtes un bon flic. Vous n'avez rien fait d'intentionnel qui aurait pu compromettre la scène de crime. Les faits parleront d'eux-mêmes. Merci d'avoir confiance en moi, chef. On a parfois l'impression de ne pas avoir le choix, mais... c'est faux. Vous me suivez? Oui, bien sûr. J'aimerais le croire. Mais je sais que le piégeur sera exécuté dans 48 heures. C'est dur à porter. D'envoyer quelqu'un à l'abattoir, ça vous perturbe? J'ai hâte que Finn se fasse exécuter. Plein de gens seraient d'accord avec vous. Moi le premier. Mais je parie que ces gens ne sont pas aussi impatients que moi de passer une bonne nuit de sommeil. Savoir qu'il respire encore, ça m'empêche de dormir. J'ai reçu ton message. Je vais rencontrer ton client. Je suis désolée, j'ai pas réussi à rentrer. J'aime pas trop l'idée de voir Finn sans que son avocate soit là. Je sais. Merci d'aller lui parler aussi rapidement. Bah, faut dire qu'il a plus beaucoup de temps. Non, en effet. Tu peux me donner un avant-goût? Ça va être un peu compliqué de le faire parler. Sois diplomate. Ok, des conseils? Il faut que tu le fasses parler d'un certain Adam Jones. C'est qui, Adam Jones? Vaut mieux que tu ailles lui parler. Tu as un plan? J'obtiens toujours ce que je veux. Je t'appelle après. D'après votre avocate, vous avez quelque chose à me dire? Vous avez 5 minutes. Si ça dérape, je m'en vais. Mademoiselle Graves, je n'ai jamais tué personne. Avant, je croyais que c'était Dieu le coupable. À Las Palmas? L'orphelinat? On était des gamins. On leur faisait confiance. Mais je leur ai pardonné. Dieu nous apprend à pardonner. On peut pas pardonner l'offenseur après l'avoir tué. Le pardon, ça marche pas comme ça. J'ai jamais tué personne! Finn, du calme. Du calme? Je suis sur le point de crever! Et personne ne saura la vérité. Comment ça? Quelle vérité? Je vais mourir en menteur. Un sale petit menteur. La vérité sur quoi? Les aveux, les meurtres. Toute l'histoire! Oh, finalement, vous ne les avez pas tués. L'aumônier, le surveillant. Alors qui? Désolé, votre temps est écoulé. Non. Attendez, je vous en prie. C'est terminé. C'était Adam. Adam Jones. De l'orphelinat. Je vous écoute. C'était mon ami. On a enduré les mêmes tortures. Il les a tués. C'était Adam, pas moi. Je vous écoute, mais il va falloir m'en dire plus. Adam et moi, on en a pas mal bavé, tous les deux. Ça rapproche. Adam a fui, et j'ai découvert la drogue. J'ai commencé dès que je suis sorti. Et puis quelques années plus tard... ou quelques siècles, je sais même pas. Adam me retrouve sur Internet. Il arrête pas de m'écrire, encore et encore. Il me ressort toutes ces conneries avec l'orphelinat. Il me dit qu'il sait exactement comment se venger. Alors on passe un accord. Je me livre à la police, je lui donne un peu d'air. Je passe quelques mois en cabane, et puis bam! Le piégeur ressurgit. Ça peut pas être moi vu que je suis là. Logique, non? Une chance pour vous. Une chance? Et le père Rominski à la tête d'un orphelinat? Vous appelez ça une chance? Un renard dans le poulailler. Vous imaginez pas ce qui se passait là-bas. La salle de jeu. C'est comme ça qu'il l'appelait, mais... je peux vous dire qu'il était le seul à s'amuser là-dedans. La police l'a jamais trouvé? Non. Vous pouvez aller voir vous-même. Je suis même pas sûre que l'orphelinat soit encore là. Alors, où est-ce qu'il est? Adam? Aujourd'hui? Aucune idée. Comment le retrouver? Il faut un point de départ. Et je sais où. Où? C'est pas... vaudrait mieux que je vous dessine une carte. Seule la personne faisant le plus confiance peut faire ce choix. Finn, reculez. Je veux seulement discuter. J'en sais un peu plus sur Adam Jones. Il était à Las Palmas en même temps que mon client. Mais il est mort dans l'incendie qui a causé la fermeture. Lana, ton client vient d'essayer de m'agresser, ok? Il est dangereux, n'essaie pas de le faire sortir, ça n'arrivera pas. Jamais. Oh non, je suis désolée. Est-ce que ça va? Ouais. Non, c'est pas mon objectif. Alors qu'est-ce que je fais là? Si tu parles d'Adam Jones au juge, peut-être qu'il lui accordera une liberté temporaire pour qu'il aide les flics à traquer Jones. Lana, c'est trop tard. Je pourrais pourvoir en appel. Tout ce qu'on fait, c'est retarder l'inévitable. Adam Jones est un doute suffisant, Felicity. Je ne voulais pas la peine de mort, mais je ne crois pas que ça suffise pour empêcher que ça arrive. Finn n'est pas un type bien, mais ce n'est pas le piégeur. Et s'il meurt, le vrai tueur reste dans la nature. Ouais. T'as raison, on va en parler au juge Vanstone et on verra bien. Merci, Felicity. C'est pas encore fini. Qui, selon vous, est le plus persuasif dans une discussion? Vous n'avez pas su vous décider. Aucun nom n'est ressorti du lot. Je vous remercie de me recevoir aussi rapidement. Mademoiselle Petit m'a déjà parlé de cette histoire avec Adam Jones. Oui, monsieur. Je viens de parler avec monsieur Finn. Bref, d'après mon expérience, quand un homme se retrouve au pied du mur, il raconte n'importe quoi pour s'en sortir. Pardon? Vous croyez à son histoire? Je sais que ça semble difficile à croire, mais je pense qu'il dit la vérité. Ou du moins, une partie de la vérité. Jusque-là, ça se tient. Quelqu'un a pu parler à Jones? Il est présumé mort depuis des années. C'est un peu gros, vous ne trouvez pas? Bah, admettons que Jones existe. Comment être sûr que Finn puisse le retrouver? Je ne sais pas où est la vérité, mais elle n'est pas loin, et il nous faut du temps pour la trouver. Et apparemment, il vous faut aussi relâcher un tueur en série condamné pour la trouver. Juste assez longtemps pour mener la police à Adam Jones. Vous êtes pleine de surprises, mademoiselle Graves. À ma place, que feriez-vous? Je pense qu'il peut nous aider. Si vous accordez à Finn une seule journée de liberté surveillée, nous pourrions sauver un innocent d'une exécution injuste. Je vois. Très bien, mademoiselle Graves. Je vais accorder à Jonathan Finn une liberté temporaire sous surveillance. Mais de 3 heures seulement, pas plus. Merci. Hé, Lana, tu vas jamais me croire. Il a vraiment accepté? Ça m'a fait halluciner. Waouh! Bravo, Felicity. M'appelle pas comme ça. Je vais aller à la criminelle et leur annoncer. Bien vu. Et Felicity, merci. C'est pas encore fini. N'importe quoi. Le dossier contre Finn était en béton armé. On l'a chopé avec un otage, bordel. Vous avez dû raconter une belle histoire pour que le juge change d'avis comme ça. Je suis désolée de vous imposer ça. On veut tous la même chose. Un homme est sur le point d'être exécuté et il faut être sûr qu'il le mérite. Oh, Jonathan Finn le mérite. C'est sûr et certain. Qui c'était, au juste, Adam Jones? Son nom a été cité au cours de l'enquête? Ouais. Il y avait un Adam Jones à l'orphelinat. Mais devinez quoi? Ce pauvre type est mort dans l'incendie qui a fait fermer l'établissement. L'histoire va pas plus loin que ça. Finn choisit bien son moment. Vous croyez pas que c'est du vent? Je pense qu'il y a quelque chose. C'est aussi ce que pense le juge. Il lui accorde une liberté temporaire sous surveillance le temps de trouver Adam Jones. Finn m'a dit que Rominski avait une salle secrète à l'orphelinat. Il appelait ça sa salle de jeu. C'est là qu'il menait ses activités extrascolaires. Ça vous dit quelque chose? Non, sinon je m'en souviendrai. C'était pas dans le rapport. Je me demandais, monsieur Hilary, alors... Quand vous avez analysé les corps des victimes du piégeur, est-ce que vous avez trouvé quoi que ce soit qui aurait pu nous conduire à un autre suspect? Oh là, c'était... il y a au moins 5 ans, non? Il ne me semble pas. Donc, pas de raison de suspecter quelqu'un d'autre que Finn. Je me rappelle que j'avais seulement remis une analyse partielle des preuves parce que... Monsieur Finn avait avoué. Je m'étais dit que c'était réglé. Il y avait donc d'autres preuves à analyser? Eh bien oui, des traces infimes. Vous avez accès à toutes ces données? Eh oh, attendez une petite seconde. Comment vous pouvez ne serait-ce qu'envisager de laisser cette ordure sortir de sa cellule? Finn avait un mobile. Il en a bavé à Las Palmas. Il détestait la police. On a même trouvé ses cheveux sur une autre scène de crime. Dans le mobilhome, c'est ça? C'était l'assistante sociale? Et, inspecteur Marnet, voulez-vous bien me rappeler ce qui s'est passé cette nuit? Je peux vous la résumer en 2 mots. Occasion manquée. On aurait pu passer les menottes à Finn et classer l'affaire. J'aimerais entendre la version de l'inspecteur Marnet, si vous voulez bien. Bien sûr. Catherine Hope était assistante sociale à l'orphelinat Las Palmas. On ne savait pas que Finn la tenait. Qui, d'après vous, serait le plus courageux de tous? On a eu un 18 au terrain de caravane de O'Gevens. Une effraction en cours. J'étais pas loin, alors j'y suis allée seule. C'était un contrôle de routine, mais... cette nuit-là, tout le monde était à cran à cause du piégeur qui s'amusait à se mettre le... et chacun de nous pouvait être le suivant. Ici le 609, sur les lieux du cambriolage. Sortie sur la nationale, pas de suspect. Je pénètre dans la caravane. 609, bien reçu, soyez prudente. Cherchez les indices qui s'affichent en haut de l'écran. Repérez-les et mettez-les en surbrillance avec le pointeur, avant la fin du temps imparti. Chaque indice trouvé rapporte une prise de contrôle. Ces indices pourraient vous être utiles, alors trouvez-les tous. je cours. Oh, merde. Ok. Faites pas de bruit. Qui vous a fait ça? J'étais dans un bar. Et puis soudain, je me suis réveillée ici. Pitié, s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Seule la personne que vous estimez être la plus courageuse peut faire ce choix. Ok, je vais retirer une minute. Oh mon Dieu! Oh pitié, sortez-moi d'ici! Chut, du calme, s'il vous plaît. Faites vite! Au secours! Oh merde! Au moins, on n'a eu qu'une seule victime ce soir-là. Ça n'a pas fait une grande différence. L'assistante sociale a été tuée sur la route quelques semaines plus tard. Ce n'est pas le genre de choses que j'aime ressasser. Finn a dû vous voir arriver. Il a filé avant de finir le boulot. Oui, il a même pas eu le temps de prendre son matériel. C'était courageux de votre part d'intervenir seul. Oh, je ne faisais que mon boulot. Et comment avez-vous relié Finn à la scène? J'ai découvert un cheveu de Monsieur Finn sur la scène de crime. On a comparé l'ADN à ceux de notre base de données, le test s'est avéré concluant. Il était déjà dans le système? Finn a fait tellement de séjours au poste qu'il avait pratiquement son nom sur la boîte aux lettres. Quand on nous a dit qu'il avait été vu dans un squat, on était justement en patrouille dans le coin. À croire que vous attirez les emmerdes, inspecteur. Au moins, je l'ai coincé. Connard. Oh oh, maman ours est en colère. Attention. Ça va, arrêtez avec votre concours de qui a la plus grosse. Et faites au moins semblant de travailler ensemble. L'affaire du piégeur a secoué tout le monde, je crois qu'on a remué assez de couteaux dans nos vieilles plaies pour aujourd'hui. Sergent. Je crois qu'on a fait le tour. Vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez le dossier médico-légal d'Adam Jones? Oh, pas pour sa mort. On a prélevé des échantillons quand il a été placé à l'orphelinat? Oui, certainement. Est-ce qu'il serait possible de ressortir ces dossiers et les comparer aux preuves trouvées sur les scènes de crime du piégeur? Vous vous foutez de moi? Vous voyez pas que vous faites perdre du temps à toute cette division? J'ai une meilleure idée. On va laisser Starry crever sur le billard. Calvary, stop! Monsieur Hilary verra ce qu'il peut faire. On vous dira s'il y a du neuf. Merci. Hey, Graves. Ouais. Je voulais seulement vous dire que... Calvary est un con. Oui. Vous en faites pas pour ça. Vous m'avez bien aidé. Dites, vous faites quoi ce soir? Quoi? J'ai une énorme pile de dossiers qui m'attend chez moi. Je vais avoir du mal à m'en sortir toute seule. Oui, d'accord. Je peux donner un coup de main. Parfait. Appelez-moi. Qui parmi vos amis garde toujours son calme quand la tension monte un peu? Piège à rat? Oui. Il y en avait un sur chacune des scènes de crime. C'était la carte de visite de ce malade. J'avais pas cette info. On a réussi à cacher ça à la presse. Cible numéro 1. Rupert Walsh, des pompes funèbres. Après l'avoir tué, le piégeur a relié un fusil à la porte du motel. L'agent qui est intervenu à tout prix dans le torse. Simple, mais brouillon. Il n'était pas du tout certain de tuer le policier. Est-ce qu'on sait autre chose sur la victime? C'est le seul qui n'ait aucun rapport avec Las Palmas. C'était juste le poivre du coin. Finn a dit que l'alcool était mauvais pour la santé. Venant de ce taré, ça devait être un trait d'humour. D'un autre côté, si c'est pas lui le piégeur, alors... Oh, bordel. Plus le temps passe et plus cette affaire se complique. Becky, vous voulez faire une pause? Ah, je suis désolée, c'est juste que tout ça, c'était de l'histoire ancienne. Rouvrir tous ces dossiers, avec l'exécution de Finn qui approche, je sais pas, j'ai du mal à dormir avec toutes ces conneries qui me passent par la tête. La bonne nouvelle, c'est que cette histoire sera bientôt terminée. Ouais. Oui, c'est vrai. Deuxième cible. Pas joli, joli. Oh, celui qui frappait les gosses jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les reconnaître. Surveillant à Las Palmas. Un peu avant l'orphelinat, les stupes avaient un dossier long comme le bras sur lui. Mais ils n'ont rien pu trouver de solide. Il leur glissait entre les doigts. Le piégeur a laissé le corps dans le noir total et a bourré la lampe avec du C4. Le flic qui s'est pointé a actionné l'interrupteur et... que la lumière soit. Il monte clairement en puissance. Peut-être son premier vrai meurtre. Plus élaboré, mais... il n'était pas satisfait. Troisième cible... le père Rominski, le chef de la bande, aumônier de Las Palmas et responsable des maltraitances. Chef présumé. Oui, chef présumé. Le piégeur l'a assommé, l'a ouvert et lui a greffé des explosifs prêts à sauter au premier geste. Il a envoyé une vidéo de l'opération quelques jours après. Ce taré a obligé Rominski à prier à genoux pendant des heures en avouant ses péchés. Quand il a eu ce qu'il voulait, il a appelé le sergent Taylor. Vous connaissiez les deux autres flics? C'était ma circonscription. Donc, tous les trois, et vous qui étiez présente pendant la tentative ratée, vous étiez tous de la troisième? Les meurtres étaient dans notre secteur. Est-ce que vous connaissiez bien les deux autres? Je veux dire, connaissiez-vous les autres agents qui sont intervenus? Assez pour savoir que je les aimais pas trop. Je me suis tirée de là dès que j'ai pu. Et si les premières victimes de chaque incident n'étaient qu'une façade, et que les véritables cibles, c'était les agents de la troisième? Intéressant. Ah? Ces trois flics, c'était pas franchement des anges en uniforme. Comment ça? Il y avait des problèmes à la troisième, d'ordre chimique. Ils consommaient? Oui, et pas seulement. Je suis surprise que ce soit jamais ressorti dans l'enquête. Pas moi. En tout cas, vous avez peut-être une piste. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et Calvary? Ah, celle-là, je la sentais venir. La tension était palpable, à couper au couteau. Calvary a juste un balai dans le cul. Et pourquoi? Bah pour commencer, c'est moi qui ai coffré le piégeur, pas lui. Ça le rend malade. Quand même, il a eu le temps d'oublier ça. On pourrait le croire. Mais il arrête pas de me faire chier. Comment ça? Tout le monde me déteste parce que je travaille correctement. Je suis sûre que c'est faux. Ouais, facile à dire pour vous. Moi, mon père n'est pas là pour régler mes problèmes. On a tous la vie dure dans cette ville, ok? Ici 125 sur le 10-16. Je vais entrer. 125 bien reçu. Soyez prudent. C'est la police. Y a quelqu'un ? Seigneur Dieu. Monsieur, vous m'entendez ? Qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Quoi? La victime est un flic. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est encore en train de faire le tri. On nous a signalé un mort. Nos gars sont venus, le corps était piégé. Façon piégeur. Un flic? Qui? Comment? C'est Calvary. Quoi? Non, ça peut pas... C'est complètement dingue. Ils sont en train de recoller les morceaux. Becky. Mon Dieu. Excusez-moi, vous pourriez éviter de piétiner mon espace de travail? Merci. D'après ce qu'on a pu établir, il semble qu'il était avec une prostituée. Oh, merde. Il l'a ramenée ici pour... Enfin bref. On la connaît? On n'a qu'une vague description. 20 ans, brune. Oh, génial. Calvary a vidé tout un chargeur, mais il a touché personne. On a trouvé son sang et celui de l'agent Montesinos. Qui a pris l'appel? Le corps de Calvary était relié à des pièges. Oh, merde. Un chargeur? Si quelqu'un l'a égorgé par derrière, alors pourquoi tirer de ce côté? Et si l'agresseur était devant, comment le rater? Oh merde. C'est vraiment lui. Du nouveau? Rien de concluant. Becky, je regrette, mais il faut que je te le demande. Où étais-tu hier soir? J'ai passé la nuit, enfin la soirée, avec Felicity Graves, à éplucher des dossiers. Toute la nuit? Oui. Et? Merde. Quoi? Faudra que tu sois très, très prudente dans cette affaire. Pourquoi? Fais en sorte de pouvoir prouver tout ce que tu fais. Tout le monde sait que Calvary et toi, vous vous aimiez pas. Tom. Surtout, sois prudente. Tu crois vraiment que j'aurais pu faire un truc pareil? Non mais tu t'entends? Je ne t'accuse pas. Seulement c'est la première chose à laquelle tu as pensé. Évite de t'énerver. Tu sais de quoi ça a l'air. Réfléchis. C'est un cauchemar. Non, c'est bien réel. Je détestais ce connard, mais je ne serais jamais allée jusque-là. Oui, je te crois. Tu ne devrais pas avoir à me croire. Ah! C'est la fin de l'acte 1. Consultez le journal, servez-vous un verre et touchez la case.